Display sur la map de Stetedraiek où nous allons effectuer la ligne 66. Donc j'ai déjà commencé à démarrer le bus. Voilà. Mince. Ouais, j'ai pas assez d'air. Bon, on va confier un petit peu le bus. Bon, ça arrive un peu tard ça, merci. Voilà, allez, on gonfle tranquillement, les portes qui s'activent, c'est... Là j'adore ça dans ce mode de Murphy. On se croirait réellement dans un vrai, de chez vrai bus. Allez, on y va, le frein lâché... Bon, il y a quoi? Vitesse, elle veut bien se mettre... Voilà, on y arrive. Bon, alors, je vais m'attraiter à régler un peu le chauffage, vu qu'il fait un peu froid. Et donc je vais vous parler un peu de Stetedraiek. Donc c'est une assez grande map, comme vous pouvez le voir, avec 8 lignes. Les lignes sont exploitées par la société Rogis, et quelques lignes sont exploitées par Regio Foster, donc 25, 27, 33, 43, 66 et 69 par Rogis, et R49 et R52 par Regio Foster. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai le collègue qui me suit derrière. Sévère, on y va. Je vais vous parler tout de suite de la ligne 66. C'est juste. Oh, je vais laisser faire le petit tour. Voilà. C'est technique un peu cet endroit. Qui veut bien rester sur le trottoir, ça serait gentil. Voilà. Donc ligne 66, c'est mon avis la plus grande ligne de Stetedraiek. Donc nous allons faire aujourd'hui. Oui, c'est bon. Nous allons faire aujourd'hui la partie petite, comme vous pouvez le voir, à partir de Hortmann Neues Rathaus jusqu'à Kreuziger Brücke. Je ne vous présente plus le bus que nous utilisons aujourd'hui. Pour tous les fans un peu inconditionnels de MC le connaissent, c'est le Mercedes-Benz 530G. Avec le mode Soundpack version 4 de Murphy. C'est, il me semble, l'un des meilleurs bus d'OMSI à ce jour. Et je l'adore ce bus, donc voilà. Vous remarquerez également que nous sommes, comme d'habitude, nous roulons pour l'Expo. Et que nous sommes en version. Nous n'avons pas la livrée Rogis mais une livrée RVAG, c'est-à-dire la map de Ruro. Donc c'est pour ça que ouais, on a des on a des festivités de Noël sur cette map, c'est pour ça que on a quelques bus en renfort et qui viennent de nos autres maps de l'Expo. Donc nous y allons, c'est parti. Weigelstraße. Donc, ah oui, vous pouvez entendre un peu de pluie, puisque j'ai fait mon aller sous la pluie, donc la route doit être encore un peu mouillée. Donc voilà. Alors j'espère qu'au niveau performance d'OMSI, vous aurez une relativement bonne expérience. À ce que j'ai pu constater sur mon aller, parce que j'ai fait quelques essais, le jeu est relativement fluide, donc vous devriez avoir une meilleure expérience que sur la première vidéo.
Tout simplement parce que j'ai passé à Windows 10 et puis que le jeu est devenu beaucoup moins fluide quand j'ai passé. Ce qui m'a amené à réduire drastiquement mes options. Ce qui fait que ben vous avez. Maintenant je roule à un peu plus de FPS qu'avant. Donc normalement vous devriez pouvoir avoir moins de lag. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Guten Morgen. Guten Tag. Das ist ja ganz schön kalt hier drin. Ja, ich weiß, ça chauffe. Hallo. Guten Morgen. Les gens qui se plaignent, qui fait froid. Hallo. Hein. Guten Tag. D'accord, fait 3 degrés dehors, mais bon, allez. Allez, un peu vert. On passe, allez, on dit qu'on passe. Allez, je passe. On passe. Ouais. Vous verrez, GTT Dryex, c'est un peu le royaume des feux rouges, comme on pourrait dire. On va essayer de trouver des choses à vous dire pendant ces longs feux rouges, si on n'a pas de bol. Si on a un peu plus de bol, j'aurai un peu moins à inventer des choses pour vous occuper. Donc voilà. Alda Pruquet, prochaine arrêt. Tiens, il n'y a plus de son. Le pont est visiblement perméable, il n'y avait plus d'eau. Allô. Bonjour. Allô. Allô. Voilà, c'est la porte de derrière, elle est fermée, parfait. Voilà. Ah. Bon, on se retrouve tout de suite, je vais faire une petite coupure. Voilà, alors désolé pour cette petite coupure, Action avait visiblement bugué, ça avait arrêté de capturer. Vous pouvez constater d'ailleurs, si quelques personnes connaissent la map de Hurao, que les Allô. Que les abribus sont très semblables à la map de Hurao, avec des variations de couleurs. Moi je trouve génial ces abribus, donc je suis très content de les retrouver également sur cette map. Le feu est en rouge, on va pas se presser beaucoup plus que ça. Et c'est vrai que les feux rouges sur cette map, comme je vous le disais, sont pour le moins nombreux et surtout longs. Comme le disait mon collègue Yogi, si vous connaissez sa chaîne, dans sa dernière vidéo, les feux rouges ont tendance à nous mettre un peu les nerfs à vif et surtout le compteur du retard à passer en mode plus 1, plus 1, plus 1. Donc on va essayer d'avoir pas trop de retard, mais on va dire que ça dépend pas que de nous. Nous sommes dans une petite partie un peu plus campagnarde, on va dire campagnarde dans la ville. Bon, on va pouvoir accélérer, il fait quoi lui? C'est bon. Ça arrive. Allô. 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 Haben Sie keine Heizung? Ja, ich habe eine Heizung. Bon sang, mais ça chauffe ou bien? 6,2 seulement? Oula, attendez, est-ce que ça chauffe vraiment bien? Ouais, ça monte. Ouais, je vais peut-être rajouter mon chauffage à moi. Parce que pourtant j'ai allumé celui des voyageurs. Voilà.
j'ai quand même droit d'avoir un peu de chaleur. Ouais, puis j'ai allumé ce truc. Voilà. Espérons que ça chauffe un peu plus. J'adore quand je vois mes collègues qui font des vidéos de mes ici. Tout particulièrement Cyrol CH Gaming, que je salue s'il me regarde, qui s'amuse à balancer à fond son chauffage alors que l'arrière n'est pas du tout étayé. Ça a tendance à m'amuser un petit peu. Mais bref, voilà. Donc, ah oui, vous constaterez éventuellement que... Allô. Bonjour. Vous constaterez que... Vous constaterez que... Comparé à la première vidéo, j'ai moins de lag quand je m'arrête. Tout simplement parce que j'ai trouvé un bouton à programmer dans le MSI qui permet en fait de sauvegarder soi-même le... la sauvegarde d'OMSI, donc si par hasard OMSI bug, ben c'est là qu'on reprend le trajet, ce qui permet donc de désactiver la sauvegarde automatique qui s'effectue donc à chaque fois qu'on s'arrête. Donc ça permet donc de pouvoir désactiver ça, et du coup ben on lag plus quand on s'arrête, ce qui est très agréable je trouve. Morgan. C'est vrai qu'il faut penser à sauvegarder de temps en temps. Bonjour. Voilà. Il n'y a plus là celui qui est derrière moi. Parfait. Ah oui, the feu rouge. Et je parie qu'on n'a pas de bol. Ouais, on risque d'y passer un peu longtemps. Donc c'est vrai que Windows 10, c'est que c'est quelque chose que j'attendais d'installer moi, parce que l'école où je vais nous avait demandé d'éviter d'installer Windows 10 puisqu'il y avait des problèmes de compatibilité avec certains programmes de notre école. Du coup bah, j'étais resté à Windows 7, et ben Windows 7 étant un peu plus lourd, ça permettait moins de choses. Ouais, ça monte en température. Qu'est-ce que je disais? Mince. Oui. Et donc, ayant terminé le semestre, j'ai enfin pu installer Windows 10. Et ben, je suis très content. Le système est beaucoup plus rapide. Moi qui mettais environ 5 à 6 minutes pour démanierer mon ordinateur, maintenant j'en mets plus que 3. Donc, on peut dire que c'est globalement positif. Et puis surtout, depuis que j'ai fait, ça m'a amené à faire des réglages sur MSI, et du coup mon MSI est un peu plus fluide, ce qui est un grand plaisir pour moi, et un peu moins casse-tête pour mon patron de l'ETPO qui n'a plus besoin de faire vraiment attention à me mettre des lignes que de jour, surtout en hiver. On va dire ici, avec ma configuration que j'avais sur Windows 7, j'aurais même pas pu espérer vous faire une vidéo, ne serait-ce qu'en simple. Et là en plus on est en temps réel, donc on a un peu de brouillard, le sol est mouillé, et en plus en articulé, donc que du positif avec ce changement. Je n'ai vraiment pas à me plaindre. Ouais, il y aura peut-être vers la gare centrale, on aura peut-être un ou deux soucis, mais on verra. S'il faut, je vous ferai une petite coupure. J'adore cet arrêt où t'as les gens qui attendent 3 km et qui te voient juste arriver pour aller à la première porte.
si encore, on pouvait ouvrir les portes de derrière qui montent, enfin les portes de derrière. Je dis pas, mais là, on perd ses temps. Mais c'est qu'on dirait qu'on est sur une onde verte. Faut oublier de se rabattre. C'est les premières fois que tu restes sur la bande à droite. Et tu t'aperçois qu'ici, juste là, vous avez plus de bande à droite. Voilà. D'autant plus que juste après c'est l'Arrestrasse. Donc il y a le Lachen, si je me trompe pas, qui veut dire rire. En effet, c'est très drôle. Hallo. C'est parti. Bon, par contre... Ouais, effectivement, nous arrivons à la gare centrale. Moins 10 sur les FPS. Oh, c'est beau l'onde verte. Allez, tiens mon petit ordi, on croit en toi. Bon, je vais peut-être un peu rapide. Voilà. Oh, on a l'air de tenir. Voilà, monsieur beau, c'est vert. Allez. Mais il s'arrête, machin. Il s'arrête. Non mais what? Non mais sérieux, c'était vert. Quoi, c'est vert pour lui? Attends. Quoi? Mais d'accord, c'était vert pour moi. Objection, votre honneur. Non mais... Bref, oui mais si. Dès que t'as un bug, tu piges pas. Oui mais si, voilà. Ok. Alors, là par contre, je sais jamais c'est où que je dois m'arrêter. Oh, 1B, d'accord. Donc c'est là. Dire vous avez 4 arrêts. Je sais jamais où je dois m'arrêter. Ah oui, voilà. Tac. Bonjour. Les suspensions. Oui. Guten Morgen. Ouais. Guten Tag. Petite pression dans l'air qui n'était pas là. Messieurs, dames, bonjour. Ceci t'a beau quand même. J'attends quand même avec impatience les Citaro c'est Helvet je crois qui les font un Citaro facelift, donc la génération juste après ce Citaro, qui donc permettrait d'avoir des bus un peu plus réalistes et moins vieux en étant tout aussi bien. Donc voilà, ah oui, pour à mon cher Yogi, si tu regardes cette vidéo, qui posait la question sur qu'est-ce que c'était ces feux qu'on a comme ça ici. Donc c'est en fait, je dirais, j'appellerais ça un peu des pré-signals qui permettent en fait de synchroniser, de permettre au bus d'être un peu plus en avance par rapport aux voitures quand on les a juste à côté des feux principaux des voitures. Quand on est triangle, ça veut dire qu'on peut y aller. C'est beau ce timing quand même. Juste je parle du triangle et paf, il arrive. Vos FPS sont trop bas. Veuillez les baisser vos options. Va te faire voir. Et vous voyez que c'est très bien calculé. On arrive ici et c'est vert. Je passe un peu plus large que d'habitude parce que j'ai tendance à me prendre le îlot là-bas parce que je tourne trop vite. On va allumer la lumière aussi. C'est bien allumé. Ouais. Puisqu'on passe dans un tunnel. Ça va être sympa avec nos passagers quand même. Et on arrive à
au deuxième, The Feu Rouge. Allez. Et pour changer, je suis sûr qu'on va y passer un moment. Bon, écoutez, on va patienter en chanson. Je suis conducteur chez Rugis. Ça peut vraiment parfois être un supplice. J'ai vraiment pas que ça à faire avec cet horaire. Avec ces feux rouges, vraiment mes nerfs ont vraiment une porte à faire. Il faut avoir de la patience, autant pour le conducteur que le passager. Dans le fond, quand on y pense, toute la distance qu'on aurait pu faire bon sens si ces fiches bleus étaient ouverts. Un feu rouge, des feux rouges, encore un feu rouge. Un feu rouge, des feux rouges, toujours des feux rouges. Vraiment, on espère qu'il va passer au vert. Mais il est rouge, encore rouge, toujours le feu rouge. Un feu rouge, des feux rouges, encore un feu rouge. Et le feu est rouge, 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 et le feu est vert. Bon, voilà, bref. Vous n'êtes pas obligé de vous souvenir de ça. Donc voilà. Bonjour collègue. Mais dis-moi, tu n'as pas beaucoup de passagers. Enfin bon, voilà. Ouais, je devrais aller à droite normalement, donc je vais rester ici pour permettre de voir un peu plus de FPS. Allez. Vers le feu. Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est un truc que j'ai remarqué quand vous êtes un peu bas en FPS et que vous passez sur des routes pavées comme on a à droite là, bon, je vais être obligé d'y aller. Ça a tendance à vous baisser drastiquement votre performance. Par contre, je suis un peu rapide. Ein Glück, der fährt ja, Leute, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Dans les faits, je l'ai pas encore, mon Führerschein. Bon, voilà. Excusez-moi pour ça. Messieurs, dames, bonjour. Morgen. Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Allô. Allez, on va passer une petite route relativement sympathique qui est réservée aux bus. Peut-être que je fasse attention aux arrêts là parce que je sais plus si c'est dans le sens ou dans l'autre, il me semble que j'ai toujours un décalage avec les bus quand j'arrive au prochain arrêt. On va essayer de regarder. Allez, prochain feu, est-ce qu'il est vert? Mais oui, il est vert. Je passe. Excellent. Décidément, quand on tourne une vidéo et qu'on se dit qu'on va parler des feux rouges, on a tendance à ne pas avoir de feux rouges. Bonjour. Quand on va arriver... attendez... Non, c'est pas encore là, pardon. Danzigerstrasse. Voilà, Danzigerstrasse. Ça sera juste après cet arrêt. On va avoir THE passage piéton. Juste après sous, normalement. Si mes souvenirs sont bons. Hallo. Allez, hallo. Voyez-vous, le feu est vert. Guten Tag. Bonjour. Guten Tag. Bonjour. Allô. Non, je ne suis pas brusque avec mes passagers. Pas du tout. Je les accueille toujours à bras ouverts. Mais faut pas traîner quand ils rentrent. Juste ça.
Donc je disais The Passage Piéton. Passage Piéton, si vous avez activé les collisions dans OMSI et que vous avez cette map, vous avez forcément eu deux ou trois piétons qui se sont suicidés sous votre bus. Donc on va essayer qu'aujourd'hui ça soit pas le cas. Monsieur veut passer. Les piétons ont juste rien à faire de nous. Allez, monsieur passe, c'est bon, on y va. Bon, madame ne passe pas, on est d'accord. Allez, si on a un message d'erreur, on sait qu'elle aura passé. Mais non, elle n'a pas passé, c'est bien. C'est le passage piéton où t'as juste le piéton qui a rien à faire. Si t'es sur la route, ben il se suicide. Voilà, gratuitement. Hallo. Hallo. Guten Tag. Messieurs, dames, bonjour. Excusez-moi pour Rosti, mais un petit bonjour à monsieur Asifer 18. Merci. Si vous regardez ces vidéos. Ou s'il me regarde, voilà. Et rouge, moi, c'est un de mes préférés celui-là. Guten Tag. Hallo. Hallo. Voilà. Ok. Pour une fois, c'est toujours rouge. Ah, bien sûr. Toujours plaisir quand tu mets le frein d'arrêt que deux secondes plus tard, t'as le feu qui passe au vert. Mais oui, à s'y faire, plus tard. Ah oui, le feu qui ne sert à rien. Non mais sérieusement, un feu ici. T'as strictement aucun trafic à droite. Et puis surtout t'as deux voies, donc suffisait de faire un rabattement ou je sais pas trop quoi, mais... Pourquoi? Surtout qu'il est pas synchronisé avec l'autre, donc à chaque fois que tu passes l'autre, t'as toujours le rouge ici. Sérieusement. Même quand t'as le feu, des fois ça m'est arrivé de rencontrer une voiture. Bon bref. Voilà. C'est dans le style grand boulevard là. Ah ouais, puis l'arrêt que si t'as pas les indications activées, tu loupes facilement. C'est juste derrière un panneau, tu le vois pas. C'est vrai que les indications sont quand même très utiles. Et oui, je sais, ça fait pas... Allô. Bonjour. Allô. Ça fait pas très réaliste de jouer avec comme ça les indications, mais ma foi, je connais pas encore suffisamment le parcours pour vous le faire comme ça en YOLO sans les indications. Et je tenais quand même à vous faire une petite vidéo pour le nouvel an. Donc voilà. Parce que je vois des gens qui, sur d'autres chaînes, se plaignent qu'ils n'ont pas assez de vidéos. Ben chez moi, ils sont servis. Je vous ai fait quoi, une vidéo en 6 mois. Malheureusement, c'est vrai qu'avec mon Windows 7, j'arrivais pas à trouver des lignes intéressantes. J'avais réussi à faire une vidéo sur Runnerberg. Guten Morgen. Bonjour. Hallo. Hallo. Ben ma foi, 3 jours plus tard. Hallo. Après le tournage, j'avais tourné avec le Citaro version 3.5 de Morphy. Ben, 3 jours plus tard, le. Si je m'en sors avec mes boutons, voilà. Ah, ok, mais.
le Citaro V4 sortait. Et j'allais quand même pas vous sortir une version avec l'ancien Citaro, alors que la V4 est bien mieux que la V3. Vous entendez ce son, c'est magnifique. Allez, on fait couler un peu le Citaro là. Du coup, c'est une vidéo que je n'ai pas sortie, histoire d'écouter un peu en décalage avec le reste. Hallo. Guten Tag. Morgen. Hallo. Bonjour. Hallo. Ah oui, une chose, vous étonnerez pas que mes passagers ne prennent pas de billets. C'est tout à fait normal. C'est tout simplement parce que j'ai un bug avec le Citaro, qui ne doit pas être chez tout le monde, visiblement. Qui fait en fait que dès que j'ai une personne qui veut prendre un billet, le compteur se bloque. Et je ne peux ni lui donner un billet, ni le faire partir. Donc il reste à ma caisse. Et vous comprendrez que c'est légèrement énervant. En fait, je ne sais jamais est-ce que je dois aller à droite ou à gauche. Je sais que je pars à gauche au prochain carrefour. Et c'est là qu'il y a une double piste qui part à gauche. Bon allez, je reste à gauche, on verra bien. C'est beau, c'est vert. Je crois que j'ai jamais eu autant de feux verts sur cette ligne. Ouais, en effet, il fallait rester à gauche. Et effectivement, ici aussi, il fallait rester à gauche. Bref. Hello collègues, vous pouvez donc améliorer la ligne des registres. Croisons. C'est vrai que là nous avions, je crois, 6 bus en réserve de plus. Donc 3 bus de Rurao, 1 bus de Freifurt je crois, et puis 2 de Vinzenburg, je crois. Pour ceux qui connaissent les maps de l'EPO, ils savent de quoi je parle. Il me semble que on arrive à... Oui, nous arrivons à Lenaoplatz. Donc vous allez voir un peu la petite déviation que nous avons. Je vais vous dire pourquoi nous allons dans les miracles. C'est juste qu'on va pas aller sur la place qui est normalement à droite et qu'on finit effectuer notre arrêt sur la route. On avait d'autres déviations faites par l'Expo afin de faire justement ces festivités de Noël préparées par notamment le chef de dépôt de Rogis, Nicolas, et je ne ferai pas les plafonds d'écorcher ton numéro qui vient juste après. Guten Tag. Qui s'était déjà très sympathique. Allô. Et donc Cyril s'est attaché à faire en sorte qu'on ait Allô. Une map légèrement modifiée. Bonjour. Donc on a le plaisir de faire quelques déviations. Donc là vous voyez, c'est barré à droite. Alors c'est vrai que je trouve que c'est ça un peu la vie positive de faire partie d'une société virtuelle. C'est ben. Moi ça m'arrive de temps en temps, j'ai envie de jouer à OMSI, je sais pas où aller jouer. Et donc, ben ça permet d'avoir un peu on te dit, tu fais telle ligne, tu sais que t'aimes telle ligne. Donc, typiquement, elle est trop. Alors, si vous ne pouvez pas faire trop la fine bouche, mais
Si vous n'aimez pas par exemple une map, vous pouvez très bien demander de ne pas être affrété à la map en question. C'est quelque chose tout à fait libre qu'on a et que je trouve très sympathique. Alors moi, vu que c'est toutes les maps que l'on a, c'est des maps que j'adore. J'ai beaucoup de plaisir à rouler sur toutes les maps. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir 2-3 choses et un petit stop. Ne pas oublier le stop. Moi, je mets le frein d'arrêt en général. Ça, ça rentre bien. Donc, on a fait la stop. C'est même marqué sur le tachygraphe que je me suis arrêté. Et monsieur va nous prendre. Morgan. Oui, Morgan, c'est juste. Oui, désolé, je joue l'après-midi, donc ils me disent le bon matin, comme on dirait. Ça me va perturber un petit peu. Mais oui, on est le matin. Donc pour vous parler un petit peu de ce bus en lui-même, donc Morphy a fait un magnifique boulot. Donc c'est vrai que moi, la première fois que j'ai joué au Messi, donc j'ai joué un peu comme tout le monde je pense au map, sur la map de base, donc Berlin, avec les différents véhicules fournis avec, notamment les deux étages, le MAN NL 102, le PNG 272, ils sont très bien. Hein. Puis après, j'ai un peu découvert les modes différents qu'il y avait avec. Et ben, j'ai découvert le Citaro, qui lui, il est très très tôt, je crois. J'ai pas eu au MSI tout de suite, de chez tout de suite. Le 2 donc, hein, le 1 je l'ai pas. Morgen. Et donc, ben, j'ai trouvé ce Citaro d'Alter, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui l'avait. Ah non. Ouais, bon, voilà, une des fonctionnalités de Morphy, c'est de faire en sorte que ben, plus vous avez de monde dans le bus, plus les portes automatiques ont de la peine à se fermer. Et malheureusement, on n'a pas de bouton pour annuler la détection des portes comme on a dans ma ville. Du coup, ben, il peut arriver qu'elle se rouvre et se referme 3-4 fois. Ça peut être un peu embêtant quand t'as un horaire à respecter. D'ailleurs, pour ça que j'ai pas pris le Citaro avec les portes entièrement automatiques. C'est parce qu'on était sur Schlitter Rayek et que ben, l'horaire c'était un peu compliqué à respecter. Donc, pour revenir au Citaro, j'avais trouvé qu'il était pas terrible de chez Terrible, la version standard d'Alter. Et après j'ai découvert le mode de Morphy, et depuis, ben, c'est la mort suprême. Alors, là on a The Ralentisseur, dans la catégorie des The Ralentisseurs, des The quelque chose. Là, l'auteur, il voulait être sûr qu'on passe pas rapidement sur ce pont. Vous avez vu comme je saute, là. Je sais pas si vous voyez sur l'écran, mais moi j'ai mon volant qui tremble littéralement quand je passe sur un de ces ralentisseurs, encore un ici. Voilà. Et il me semble donc que ce mode de Morphy, pour y revenir, c'est vraiment ça fait vraiment du Citaro ou 530 le bus le plus agréable à jouer, je trouve. Juste après vient le Solaris Urbino, toujours parfait par Alter et Morphy. Donc c'est que du plaisir de rouler avec. Allez, dernier feu rouge, on risque d'attendre un petit peu. D'ailleurs, il me semble que j'entends plus le chauffage depuis un petit moment. Enfin, je vérifie en tournant. Enfin, une fois que j'ai tourné, le feu d'après va venir vite.
vers tout de suite. J'ai juste le temps de regarder. Ouais, 22 degrés. Je peux couper ça. Voilà. J'ai pas besoin de couper la ventilation normalement parce que le. Justement, c'est fait en sorte qu'on tienne 22 degrés. Comme sur le. Merde. Pardon. Excusez-moi, monsieur dame. Et donc, ben, comme sur le GC2 de Darius, le chauffage est automatique et s'arrête automatiquement. Il n'y a pas de risque que vous montiez à 32 degrés. Voilà, on va mettre juste que je finis ma course parce que normalement, on va avoir un bus AI qui est déjà au terminus. Qui, pour changer, est très bien parqué. Non mais attends. Bon, attendez, je vais juste faire le petit tournant parce que c'est pas ultra facile en articulé. Surtout qu'il me semble que ma course était censée être en standard, mais bon, voilà. Mais bref, voilà. Bon, je me parque comment? Ça va être facile. On va faire au mieux, comme on dit. Mais sérieusement. Ces imbéciles artificiels, comme on dit. Voilà. Bon, je mettrai les suspensions. Allez, sortez. Ça, je sauvegarde après. Allez, dégage. Voilà. Si les suspensions veulent bien rester. Voilà. Ouais. Et donc voilà, nous sommes donc arrivés au terminus. Une petite 66 que j'adore faire quand j'ai assez de temps. Je pense que je vous la ferai peut-être une fois dans son entier jusqu'à Donnerheim, depuis ici. Donc voilà. Donc on éteint le moteur. Il me reste donc à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je vous adresse à tous mes meilleurs voeux pour 2016. Que cette année vous apporte réussite, santé et tout de bon, bref. Et ben moi je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines activités. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.